Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, et ne se lassent point. Ils marchent, et ne se fatiguent point. Un Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Ésaïe, chapitre 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Josué, chapitre 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi, et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, dans tout ce que tu entreprendras. Deutéronome, chapitre 31, verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point, et ne t'effraie point. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. De Corinthiens, chapitre 1, verset 4 à 5. 4. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. 5. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Un Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Psaume, chapitre 121, versets 1 à 2. 1. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? 2. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Hébreux, chapitre 10, versets 24 à 25. 24. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Psaume, chapitre 32, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume, chapitre 31, verset 24. Fortifiez-vous, et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Jean, chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Un Corinthiens, chapitre 16, verset 13. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Proverbes, chapitre 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Psaume, chapitre 23, verset 4 à 5, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. 5. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde.
2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure. Jean, chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Romains, chapitre 15, verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments, les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. Un Timothée, chapitre 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté.